Messieurs, dames, aujourd'hui je vais répondre au challenge de Fabra, le couteau le plus moche. Bon, j'en ai sélectionné plusieurs, honnêtement. Je ne sais pas si c'est moi qui ai vraiment mauvais goût ou quoi. Mais bon, j'ai ce qu'il faut en couteau que je trouve relativement moche. Par contre, je précise bien que c'est uniquement côté esthétique, pas côté qualité. Donc, ben non, c'est pas un Opinel. Juste pour faire peur. Quoique le modèle affilé, je trouve bien moche aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, je vais vous en présenter d'autres. J'ai beaucoup d'imagination à ce côté-là. Le premier, celui-là, le Nirus. C'est un anagramme de surin, entre guillemets. Donc, je crois que ça parle de tout. Je sais pas comment dire, il est tordu, on a l'impression que c'est les vieux crans d'arrêt en même temps, mais des espèces de gardes là qui servent à rien du tout. La lame qui pendoule là. Bon, c'est là tout l'embouti, hein. Par contre, il coupe. Ça, on peut pas lui reprocher. Mais bon, c'est assez moche. C'était France Exportation qui faisait ce modèle-là. Maintenant, je ne sais pas. Ça, c'est un que j'avais depuis un petit moment. Alors, pourquoi j'ai acheté ce truc-là à l'époque, je ne sais pas. Deuxième couteau, j'ai encore me faire des amis. Un Victor Ignox Sentinelle. Bon, là, qualité est bonne. Ce que je reproche, c'est pas la ligne générale, c'est l'ouverture à une main, que je trouve vraiment déplorable. Qui me rappelle bien l'Esperco. Donc, vu que j'aime pas déjà l'Esperco, donc je peux pas aimer non plus. Par contre, c'est vrai que le couteau, bon, par lui-même, pour moi, Victorinox, c'est ça. C'est vraiment le 111. En plus, celui-là, j'avais acheté à l'époque avec des serrations pour couper de la corde. Donc, ça arrange pas mon goût, mais bon, c'est vrai que ce couteau-là, esthétiquement, j'aime pas. Comme je dis, au niveau qualité, c'est autre chose. Bon, je préférais des cottes en bois, quoi. Mais bon. Par contre, celui-là, il a bien vécu. J'ai rien à lui reprocher. Toujours dans les copains. On va passer au Laguiole Evolution. Donc, pas grand-chose à dire dessus. Bon, il existe en noir complet. Bah, il fait tire-bouchon, c'est bien. Mais alors, la lame, pourquoi ils ont eu l'idée de faire un trou comme ça dedans? Puis la forme générale, c'est pareil, c'est courbé, c'est pas. Je sais pas, je trouve pas extra. Donc, ça, c'était les challengers, si on peut dire. Et un autre couteau que je trouve le pire, on va dire, c'est celui-là. Le Codega. Par contre, avec un système d'ouverture vraiment pratique. Mais alors, une ligne, quoi, si on peut dire. On joue tous les autres. Pourquoi ils ont essayé de faire toutes sortes de courbes comme ça? C'est un peu dans le style que le couteau de Fabro a présenté. Il n'y a aucune logique dans les courbes. Bon, par contre, il se tient bien en main. Ça, c'est un avantage. Mais esthétiquement, non. Non, je comprends pas le trou là qui est moche. Bon, en plus, ça fait bien acier brut là. Mais bon, non, j'accroche pas. Donc moi, pour moi, c'est celui-là. Le plus moche que j'ai. Voilà, j'espère avoir relevé le challenge. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.